Bonjour, ma chérie. Tu te sens bien? Le petit est sage? Repose-toi, je vais le faire. Bienvenue, monsieur. J'espère que vous avez de quoi manger. J'ai faim. Évidemment, c'est un restaurant. Que voulez-vous? Je voudrais manger 5 plats différents. Des meilleurs légumes et les viandes les plus fraîches, tout de suite. Et avec ça? Une bière glacée. Sans aucun problème, juste le temps de cuire. D'accord, mais vite! C'est pas la peine de hurler comme ça. J'ai tout compris et je fais ce... Quoi? Là, je disais que le temps est très beau aujourd'hui. Grouille-toi. Je vous sers tout de suite. Le plus vite, mais aussi le mieux que tu peux. Ah, c'est le meilleur restaurant et le meilleur chef de toute la région. Vous aurez les meilleurs plats du pays. Lola, y a quelqu'un ici? Bienvenue. Qu'est-ce qui vous prend? Tu te nommes bien Colin et tu es cuistot. Tu es recherché. C'est impossible. Qu'aurais-je pu faire d'illégal pour ça? Vous faites erreur. Assez! Chérie, ça va? Tu sens? Colin, non. Tu es là. Hugo, réponds. Je t'en prie, parle-moi. Fua. Tu pensais nous échapper. Inutile d'espérer t'en sortir. Pas de résistance. C'est ce qu'on va voir. Assassin! Tuer sa femme enceinte. Écoute-moi, ce n'est pas ta faute. Contre 5, tu aurais été vaincu. Il n'y avait pas de solution. Voilà, voilà, voilà. Chaud devant, place pour mes délices. Voilà pour vous.
du porc sauté, un poulet Saja. Hey, tu devrais prendre en aide, tu dois pouvoir te payer ça, non? Oh, mais je n'ai besoin de rien, les charges sont beaucoup trop importantes. Tenez, mangez et régalez-vous. Hein. Merci. Entrez, messieurs, entrez. Foie! 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 Aide-nous à la réalisation de notre royaume. Un royaume où les femmes auront le pouvoir. Oh, quel malheur! Me retrouver ainsi! La bonne aventure! Ah! Tu veux connaître ton avenir? Je peux lire dans le futur sur votre... Volcan! Ce n'est pas le jour de m'emmerder! Tu m'entends bien, hein? Ah, ça va, je m'en vais! Ce type est fou! La bonne aventure! Découvrez votre Mais avenir! Mais t'en foutrais! Je connais votre futur! Imposteur! L'avenir! Tu es l'aubergiste? Hein? Oh! Colin! Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Ah, on t'a fait du mal? On t'a tout volé, hein? Et toi? Que fais-tu là? Ils t'ont pris ton restaurant? Oui. Personne ne peut leur résister. Bande de salauds! Ils ont tout fait pour nous chasser. Menacés de mettre le feu si jamais je refusais. Couteau, ciseaux à aiguiser. Couteau, ciseaux, j'aiguise tout ce qui coupe. Colin, tu dois m'aider à récupérer ma belle auberge. Il faut que tu les chasses d'ici. Colin. Ces documents sont les titres de propriété. Maintenant, on peut partager entre nous. D'accord. Chez Coulurn. Ah, j'ai les pompes funèbres. Et moi, je reçois le restant. Je perçois les taxes à l'octroi. Je vais m'occuper de l'hôtel. Parfait. Moi, j'ai le bordel. Si nous faisons bien notre travail, nous serons les maîtres. Pas si vite! Tu es encore là? Exact. Je vous cherchais. Pourquoi? Viens me venger. Mourrai ce soir. Et rien ne peut empêcher ça. Ah! Couteau, ciseaux, j'ai dit tout ce qui coupe. Donnez-vous la main aiguisée. Couteau. Thank you.
vite. Allez, en avant. Ah, de l'eau. À boire. Charrette. Oh. Viens donc faire ici. Aucun homme qui n'entre ici dans notre temple ne doit en sortir vivant. Missa, c'est maintenant où se trouvent les reliques sacrées. Je suis désolé, maître. Prends bien soin qu'elles restent chez nous. Elles sont la marque de Bouddha. Missa, prends conscience de ton erreur. Tu n'auras rien, même avec les reliques. J'espère que si. Les femmes auront le pouvoir. Thank you.
reparlerons. C'est pas comme ça que vous l'aurez. Que comptez-vous faire? Pas d'ironie, c'est mon affaire. Ça rôde trop autour de nos affaires. Faudra pas qu'elle puisse en voir trop. Ne t'inquiète pas, ça n'est jamais qu'une femme. Votre bain est prêt. Va à ton travail. Et pourquoi je dois me crever à brosser ça? Dites-le-moi. Obéis. Je vois. Levez le poing pour contrer. Tendre le pied droit, attaque transversale par la droite, coup à la face du poing gauche. Ah Tu dois oublier les arts martiaux pour bien penser à ton travail. Reste là! Si le prêtre te prend ici, il te battra. Oh! J'en ai rien à faire du prêtre! Regarde bien. Bah, regardez quoi? Oh! Ah, bienvenue, maître. Les gens du village disent que des brigands les menacent. Il faut prendre quelques précautions. Oui, grand prêtre. On est tranquille, hein? Debout, c'est pas le moment. Attrape! Oh! Va vider les plures. Oui, patron. Sors de là! Montre-toi! Oh, attrapé! T'es complètement fou! Je suis désolé, maître. Pardonnez-moi. Ah, tes excuses ne suffisent pas. Que dois-je faire? On verra ça plus tard. Toi! Vous m'avez blessé. Où tu vas, Esther? Hein? J'ai une affaire urgente à traiter, Dor. Droit de passage. Quel droit? Un péage ou un vol de brigand? Redis-le voir. Je veux savoir. Qui tu es pour demander de l'argent? Qui t'a permis? Réponds! J'attends. Alors? T'es un voleur, c'est ça? Espèce de... Eh bien?
On peut essayer autre chose. Sois pas idiot. Oh non. Je vais t'apprendre la politesse. Non, Piqué, je m'en vais. Il ne revient pas ici, espèce de salaud. Ceci est mon territoire. Qui t'a permis? Ah oui? Qui es-tu? Je suis le chef cuistot. Ah! Le chef cuisinier. Va en enfer! Penses-tu être pour vagabonder comme ça? Je vous demande pardon, maître. Gardez-moi avec vous ici. Je n'ai pas d'autre maison, comprenez-moi. Il faut obéir au commandement du temple et surtout faire ton travail. J'obéirai. Je ferai ce que vous exigerez, maître. Je ne vous causerai aucun ennui. Tais-toi. Tout ça sera oublié tout de suite. Mais si tu récidives, tu auras affaire au cacho. Comment allez-vous? Bien. Et nos affaires? Bien. Le restaurant est toujours plein. Le péage fonctionne de mieux en mieux. Les pompes funèbres ne fonctionnent pas très bien. On peut peut-être arranger tout cela. Je vais leur préparer des clients. Non, ça n'est pas le moment. Car très bientôt, le travail reprendra. Colin, à table, le repas est servi. Ah, j'arrive. Assieds-toi. Tu es battu, tu ne dois pas être distrait si tu veux apprendre le kung-fu. Ton esprit doit toujours être en état d'alerte. Tu ne sais rien faire comme il faudrait. Quand décideras-tu pour être un bon élément? Ah!
voilà de très mauvaises manières. Pas de fédéant. Un repas complet? On vous prépare ça. Chef, un repas. Chaleur. Votre repas. Le plat, le vin. Et bon appétit. Mais j'ai pas envie de tout ça. Quoi? Le boss m'a commandé un repas. Faut le manger tout entier. C'est... J'arriverai jamais à manger tout ça. Mange! T'as pas d'appétit ou quoi? Que fais-tu ici tout seul? Rien de spécial. Mais on dirait une odeur bizarre. Quoi? Je sens pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur ici. Tu viens au marché demain avec moi, d'accord? Ouais, d'accord, je viendrai. Mmh. Je serai à l'heure. En avant! Ah! Qui vous permet ça? Ceci est inhumain. Tais-toi et avance! Ne pleure pas et cours! Allez! Plus vite! Allons plus d'une heure! J'arriverai au temps! Arrête! J'ai mal dans le pied! En avant! Plus vite. Allez, tire plus fort. Une heure. Allons du courage. Oh.
C'est privé ici. Je suis venu ici pour voir ton patron. Dis-lui que je suis là. Comment va ma chère Missa? J'ai une information pour vous. Je sais où sont les reliques. Très bien protégées au temple. C'est impossible. Et si? Oh, aujourd'hui, le soleil chauffe trop fort pour vous. Maître, j'ai pris ce chapeau pour vous protéger. Voilà, vous serez bien aussi. Vas-y en douceur. Imbécile, pourquoi tu t'arrêtes là? Tu veux me renverser? Allons, en avant! Ya! Je suis désolé, je vais faire attention! Est-ce qu'elle dit est vrai? Viens nous servir le repas. Il n'y a pas de cuisinier ici. Oh, je dois tout faire moi-même. Mais ce feu qui va s'éteindre. Oh, quel travail! J'arrive. Alors, ne t'assois pas.
Allons, assieds-toi et mange. J'ai très faim. Et vous? Aussi. Que vous arrive-t-il, hein? Rien du tout, merci. Rien, à part qu'il me semble avoir quelques couillons trop. Viens! Viens! Oh. Ah, tiens! Prends ça! Bienvenue. Donnez-moi quelque chose à manger. Excellent. Ferme-la, tu mangeras après. Bizarre. Et très étrange. Votre cheval ressemble à Colin. Combien je vous dois pour ça? Ah oui, ça fait une piastre. Une piastre. Tiens. Merci. Vous donnez rien à manger au cheval? Quel vieux peindre. En avant. Yeah. Tu pensais devenir un expert des arts martiaux? Et tu croyais y parvenir en volant ce livre? Non, c'est faux. Je veux être fort et venger la mort de ma femme. Menteur. Vous pouvez pas comprendre. Oublie ce que tu sais, même ton passé. Prions, mes sœurs, pour avoir les reliques. Maintenant, tu veux mes livres? Vous faites une erreur, maître. Tu n'es bon à rien. Qu'as-tu à me dire pour t'expliquer? Je veux ma revanche. Tu te permets de voler? Non, vous vous trompez.
Je t'ai vu de mes yeux. Là, maître. Ça va? Voilà une leçon que tu retiendras, qu'elle te serve à l'avenir. Oh. Oui. Oui, maître. Qui est là? La prêtresse excommuniée. Exact. Comment as-tu pu oser? Personne ne doit toucher ces reliques. Elles sont à moi. J'ai raté notre seule chance. Nous abandonnons? Pas sans avoir tout tenté. Où sont les autres? Elles sont à la prière du matin. Je vais les rejoindre. Un instant! Veuillez excuser mon intrusion. Donnez-moi le corps du prêtre. Vous l'avez tué de vos mains, je l'ai vu. Quel prêtre? Vous le savez. Quel prétentieux. Arrêtez! Les femmes se croient les plus fortes, hein? Tu vas voir. Pour la dernière fois, où est le corps? Je ne sais pas. Tu parleras tout de même. Vas-y, va! Je veux le corps du vieil homme. Où est-il? Dis-moi où il est! Va! Non! Non! Quel étrange ronfleur. J'ai une faim. Je mangerai un cheval. Encore moi. Pourquoi? Que veux-tu? Toi et ton patron pensaient être les plus forts, hein? Et alors? Pauvre connard! Je suis heureux ici, j'y reste. Alors, je vais venir te chercher. Tu m'as fendu le doigt.
J'arrive. L'eau de ton bail est bonne. Au revoir. Sèche-toi. Regardez ça. J'ai pu leur reprendre le corps du vieux prêtre. Tu as dû te battre pour y parvenir? Oui. Tu as bien fait. Merci. Je ferai de lui un grand combattant. Qu'est-ce qui t'a pris de me faire passer par-dessus? Oh, j'ai que une viande. Ne t'avise pas de recommencer. Reviens là. Il arrive! Je vous dis qu'il m'a vu! De qui parles-tu? Je ne comprends rien. Il m'a vu, il va venir! Ah. Oh. Que fais-tu là? Qui es-tu? Allez, sors de là, toi! Et explique-moi pourquoi tu as introduit un étranger dans le temple. Explique-toi! Ce garçon a connu beaucoup de malheurs. Aucun étranger ici. Je vous chasse tous les deux. Colin, il ne rend plus de bon temps aux cuisines. Je sais. Tiens ça. Tout ça, c'est de ta faute. Tiens, prends le sac. Pourquoi? Que voulez-vous dire? Nos routes vont se séparer maintenant. Chacun pour soi. Et rappelle-toi de mes leçons pour réussir ta vengeance. Bonne chance. Merci. À vous aussi. Longue vie. On se reverra un jour. Quoi, le cuisinier est vivant? Oui, il est encore en vie. Pas pour longtemps. Halte là! Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites de ça? Le siège de croque-mort. Ah, il faut payer la taxe d'entrée. Ah. Tenez. Vous pouvez y aller. Oh. S'il vous plaît. Qui est là? Vous venez pour quoi? Un enterrement? C'est ça, oui. Le corps est là. Sur mon dos. Porte-le moi ici. Je vais m'en occuper tout de suite. Voilà. Je le mets ici. Je n'ai pas beaucoup d'argent à dépenser.
expliquer ça. Dites-moi si ça va. Oui. Pour ça, je lui fais un enterrement de première classe. Oh, il mérite ça, vous savez. C'était un grand maître du kung-fu. D'accord. Il aura droit à des funérailles dignes de son rang. Oh, merci, c'est formidable. Oh, c'est aussi un grand honneur pour moi. D'abord, une petite toilette. Faut que tu sois bien propre pour aller au royaume des morts. Tu étais bien monté. Ouh. Les filles ne devaient pas s'embêter avec toi. Les pieds. Faut que tu sentes bon. Ah, quelle crasse. Faut frotter fort. Ah, ça accroche. Gratte, 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 gratte. Voyons l'autre. Pas aussi sale. Oh, ils sont aussi mauvais. Pouah. Quel métier. Oh, si au moins il y avait quelques femmes. Tu parles que des types sales et purs. Ah. Ouh, mon épaule. Ah. Bon, la suite. Un peu de nourriture pour le grand voyage vers l'au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais il est bien mort, n'est-ce pas? Tu es bien mort, hein? T'arrive-t-il? Oh, c'est étrange. Vraiment bizarre, oui. Voyons ça. Ah, il a l'air bien mort. Je vais quand même lui donner cette pilule pour voir s'il ressuscite. Croque-mort, tu es là. Alors, tu as du travail? Oui, j'ai reçu un corps. Oh, c'est très bien. J'ai commencé à le préparer. Hein? Mais c'est le chef cuisinier. Qui te l'a donc amené? Je voulais le tuer tout seul! Ah yeah ah. Il est pas mort! Il est pas mort! Reste là! Arrête! Montre-toi! Tu l'as vu? Ah, je suis sûr qu'il est pas loin, ce vaurien. J'étais sûr qu'il était mort. Il s'est peut-être évaporé. Tu dis n'importe quoi! Qu'est-ce qui te prend? J'ai rien fait. J'ai reçu un coup de pied! J'ai rien fait! Pas un mot! C'était une bonne idée. Attends! Payez ça!
Comment trouves-tu la vie en solitaire? Ça se passe plutôt bien. Touche pas. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu n'es plus mon ami. J'ai compris. T'as peur d'avoir froid? Hein? Oh! Jimbo est mort. Sûrement qu'on veut nous faire peur. Nous n'allons pas nous laisser faire. Bien sûr que non. On reprend l'initiative. Tendons-lui un nouveau piège au village. Toi, est-ce que le repas est prêt? Hé, réponds-moi. C'est bientôt prêt. Vous allez avoir la surprise du chef. Quoi? Que nous prépares-tu donc? Savez-vous qui je suis? Ah, tu n'es plus le cuistot? Et si, c'était ça votre surprise. J'en ai une autre pour toi. J'avais tout prévu. La mode est aux cheveux ras. Ah, bien, très moderne. Ah, moi, c'est la tête que je vais traver. Tu veux qu'une mèche? Tu es beau. La vieille mère reconnaîtra plus son grand garçon. La coupe est finie.
mes ancêtres. Pardonnez-moi. Bonjour, Seigneur. La taxe d'entrée. Oui. Voilà. Voilà. C'est bien toi qui voulais me tuer. Pas du tout. C'est moi. Hein? Vous êtes des jumeaux. Tais-toi. Tu fais erreur. Nous ne sommes pas ce que tu penses. Regarde, je suis le chef cuisinier. C'est moi qui ai massacré tes collègues. Colin, tu vas pas le battre. Si, bien sûr, c'est lui le prochain. Je le veux. Vous deux, vous avez l'air de vaurien. Il faut payer le passage. Pauvre con, t'as pas bien compris, hein? Dis-lui que je viens de tuer ton chef et que lui aussi va mourir. Il est à moi! Arrêtez! C'est moi qui dois tuer ce gars! Reposez-vous. Qu'est-ce que tu crois, je peux l'avoir? À moi un peu. Je veux le tuer moi-même. Hé, laissez-le-moi. Non, arrête. Attrapez ça. Ne te mêle pas de ça. C'est mon ennemi, vu. Ferme-la, je suis le plus vieux, dégage. C'est mon tour. Non, je continue. Ah, on va voir qui est le meilleur. C'était mon tour. Je ne suis pas sûr que tu l'aurais tué. Vous croyez ça? Je sais que tu veux te venger. Moi aussi, j'avais une raison de le tuer. J'aurai la peau du prochain vu. Tu crois y arriver tout seul? Qui est le propriétaire de ceci? Un homme de Hung? Je veux me le payer. Quel bon accueil!
Où est le maître de ce lieu? Vous ne voulez pas causer. Que se passe-t-il, les gars? Quel silence! Peut-être que je dérange. J'ai pas le temps d'attendre. Allez le chercher, vite! Nous n'avons pas d'ordre à recevoir. Halt! Un instant. Je ne pense pas pouvoir rester, hein? Reste pas ici, fous le camp! Et le chef cuistot est de retour. Pour me défier, il m'envoie une cuillère. Quelle insulte! Il se bat avec vos gardes à la grande porte. Vous êtes des minables. Vous auriez dû l'arrêter. Debout! On va lui donner une bonne leçon et le massacrer. Hé, toi, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y, parle. Tu sais qui je suis? Je suis prêt à me venger. Je comprends bien ta réaction. Ta femme était bien jolie et tu l'aimais. Vas-y, profites-en, tu peux te marrer. Tu es trop minable pour me vaincre. C'est pas mon kung-fu de combat que tu as vu, hein? Serre pas trop la cuillère, car tu pourrais te casser les dents. Que faites-vous là-dedans? Le mort, et je peux encore te voler tes adversaires. Colin, repose-toi. Je suis pas fatigué. Que voulez-vous? Il est à moi. Je veux le tuer! Tu es fou, non? Laissez-le-moi cette fois! Oh! Ainsi, c'est un jeu. Non, je veux la voir. Oui.
t'en supplie. Je vais te tuer avec le poing magnifique. Il reste Hung. Laissez-moi le plaisir de tuer ce porc de mes mains. Eh bien, soit. Vas-y, combat-le tout seul. Vous me cherchiez ? Je veux vous tuer. Essaye. Pour venger la mort de ma femme et du gosse. Tu vas aller les rejoindre. Attention, ne t'y fie pas. Il peut te battre. Regarde-moi. Ça n'est pas du tout ce que je pense. Montre-lui. Avec le poing magnifique. Comment espères-tu t'en tirer? J'ai de quoi en finir vite avec toi! Oh non! Oh. Tes armes sont bizarres, non? Je pense réussir un repas excellent! On verra bien. Thank you.
Lève-toi. Oh.